Donc, de retour. Aujourd'hui, Sigur s'en va tel un gros badass prendre l'armée au complet. Bon, je suis pas sûr qu'il va réussir à prendre l'armée au complet, mais on sait jamais. Donc ça, c'est une différence de... En fait, lui, il a 9 de mouvement, puis lui, il en a 8, ça fait que c'est une grande différence aussi. Ah, j'ai oublié de dire ça aussi. Si vous allez sur des routes, vous gagnez plus 1 en mouvement. Je sais pas si les autres Fire Emblem ont fait ça, mais dans lui, c'est le fun, vous gagnez plus 1 en mouvement quand vous allez dans les routes. Donc moi, j'aime bien ça. Je trouve ça cool. Nous, on va essayer d'aider notre pote. Débarrassons-nous de lui! Oh, un coup critique, on dirait. On n'y va pas avec la pote, on va aller sauver tout le monde. Les églises, il y a un truc de spécial, c'est qu'à la fin de votre tour, ils vont vous régénérer. Oui, il y a une haine, on va le laisser tuer là, on va essayer de tuer lui. Ok, il est mort. No question asked. ...24 avec une défense, il devrait mourir. Go, go, go. Parfait. On va visiter la ville, pourquoi pas. Donc lui, il nous donne des conseils. Épée plus fort que hache, hache plus fort que lance, lance plus fort que peu. C'est le triangle dans le fond. Donc on a gagné 5000 vu que le village était intouché. Ici on va gagner 4500. Donc, une bande de tarés vont se jeter sur nos gars. Etlin va survivre. Vraiment, même vos healers sont pas super faibles dans ce jeu-là. Bon, Sigur, c'est sûr, il est pas invincible, là, mais... Il va pas se faire tuer quand même, là. Oh, tuer mon cochon. Ces gars-là bougeront pas de là. Ouais, on va essayer d'aller sauver ici. Hazel, toi tu peux tuer lui. Fire. Oh, coup critique. Ah, même pas. Bon, Hazel a été blessé un peu. On va essayer de finir. Ouais, lui va mourir, c'est sûr. C'est le fun d'avoir une accuracy de 100%. Tu peux tout prévoir. Donc on va rapidement avancer par ici, là. Parce qu'il y a un village au fond complètement là-bas qu'il faut sauver. Donc vraiment, dans ce jeu-là, c'est pas des petits chapitres de rien du tout. C'est des gros chapitres gigantesques qui prennent assez longtemps à terminer. Finn, notre héros! Tu vas devenir fort, Finn, on croit en toi. Fast forward, toi t'es mort. Oh! Ouais, on essaie de se calmer un peu ici. Dieu va se faire attaquer, il va tout éviter à nouveau. Go, 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 go! Oh, elle a réussi à éviter. Oh, Finn a doublé, super. En jeu-là, il double pas mal plus souvent que Fire Emblem 5. Je pense que l'équation pour doubler les ennemis est différente. Et vous allez voir, il double pas mal plus souvent. Donc, QA, lui, il n'a pas une grande vitesse, fait qu'il doublera pas, mais
Lui, il va faire des dommages. Go, go, go! Non! Pas Marie! Là, on va envoyer Noish, Lex, pis toute la bande, en fait. Peux-tu saver? On peut saver juste au début du tour. Fait que c'est pas exactement une save state, mais quand même. Yo, bro! Bon, ici, on va se sortir de ce mauvais guet-apens. Ouais. Toi, on va te stealer. Bading, badang. Oh! Situation est pas aussi bonne que je l'aurais cru pour eux. On va se replier lentement, un peu. On risquera pas la mort, quand même. Finn, on va te mettre au loin. Soigner, puis après, on va la mettre au loin aussi. Parce qu'elle, elle peut pas se soigner. Il y a pas de vulnérari dans ce jeu-là. Elle, faut la foutre soit sur un château, soit sur une église. Donc, le seul moyen de soigner dans ce jeu-là, c'est avec les staffs. Un healing staff. Les objets sont infinis. Je vais l'expliquer dans le prochain chapitre. Vous allez comprendre. Toi, ça c'est à moi. Accélère, merci. Vous êtes venu nous sauver? Vous croyez que vous êtes mort? Voici un anneau en tant qu'appréciation. Allez, prends l'anneau. Bon, pourquoi j'ai sauvé le village avec Sigur? C'est parce que son speed ring va augmenter sa vitesse. Fait que ça va être utile pour lui. Tu as un autre boy, tout le monde. Ok, let's go. Prochain tour. Encore les losers qui vont s'attaquer à Sigur. Avec son speed ring, il est encore plus intouchable. Donc, Moish aussi, lui, c'est... Vous êtes sûr qu'il va donner un gros coup fort, mais il doublera pas, ou du moins pas tout de suite. C'est Alec qui va doubler plus. Go, go, go! Bon, il est touché un peu souvent à mon goût, mais c'est pas grave. Tu vois, moi aussi, il vit vite difficilement. Go, go, go! Il est mort. Bon, petite save. Le Sigur a quasiment le goût de décrisser. On va aller tuer l'autre gars là-bas. Le tour de laisser un peu d'XP aux autres. Hey, bitch! Ouais, 21, lui il a une attaque de 19, moi j'ai une défense de 9. Normalement je devrais pas crever. On va l'attaquer lui, go go go. Ok. Noish, tu peux aller... tu peux aller jouer là-bas. On va envoyer Alec avec Lex là-bas, parce que Lex, je veux pas qu'il... qui s'en sortent pas. Cite comment est la situation. Finn n'est pas encore soigné. C'est pas grave. Ouais, je peux bien risquer. On va aller voir. Il va sûrement me toucher. Il va me faire des bobos, mais c'est pas grave. Let's go. Accélérer. Ah, je vais le doubler en plus. Ah, ben c'est super. Yay! Petite retraite. Toi, tu vas passer au cash. Go, 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 go! Là, l'autre camp devrait s'attaquer possiblement à Finn. On va équiper le javelin au cas où qu'il nous rattaque avec notre QN. Finn, on va le soigner pour pas qu'il crève. Dans ce jeu-là, on peut pas misser nos healings. Fait qu'il y a pas de missage stupide. Parfait. Ok. Bon. Come on, Nasty, je t'avais laissé une chance. Ça a comme lagué un peu. Oh, Alec, et merde.
On dirait bien que les gars, ils pourront pas sauver le village, ça va être Sigur qui va faire la job aussi. Et bang toi. Ouais, ça se peut-tu. Bon. C'est lui, j'ai eu des problèmes à le tuer avec Lex, puis je sais même pas pourquoi. Ben, tu sais, dans mes vieilles parties, j'avais des problèmes. Je sais même pas pourquoi, en fait. Bon, là, je pense que j'aurais pas trop de problèmes. Bon, lui, il va complètement me tuer si jamais il me touche. Fait que lui, Lex, il va partir. Parce que là, mes gars ont besoin de soins. Azul, il est encore bien correct. Bang. Oh yeah, level up. Ah, juste un HP. C'est rien, ça, c'est... Arben ne devrait pas se faire tuer par tout ce qui bouge. Qu'est-ce que... Ah, il a rien foutu, lui. Voyons. Ah, il a dû foutre quelque chose. Qwan l'a attaqué avec son javelin. Je pense. On va laisser le kill à Phil. Ok. HP, lock. Pas pire. Ah, je vais checker un truc. 9 lock, 5 lock, 2 lock, 8 lock. Ah non. Je pensais qu'il allait faire un truc à la... À la Dragon Quest V, mais non. Je comprendrai plus tard. Bon, ben, je peux quasiment avancer mes boys, y'a rien qui va me tuer à des mètres à la ronde. Bon. Ça va être la job de tuer ce petit maudit-là. Go, 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 go. Putain, Miss, c'est quoi ce bordel-là? Toi, t'es mort. Donc, il faut qu'il vous reste au moins une maison. Parce que sinon, là, il va avoir des problèmes. Là, mes gars commencent à être vraiment affaiblis, ça se peut-tu? Fait qu'on va toutes les faire soigner par Etlin. Parce que ça y fait gagner de l'XP, puis on n'a pas à payer la church. Payer l'église. Bon. Les tours, vous en avez pas mal à l'infini. Là. Pas de problème à ce niveau-là. 19 attaques, parfait, let's go. Ok, Timidou était mort. Cool, Magic Defense. Après ce tour-là, je vais arrêter la vidéo. Si vous avez des commentaires, vous me donnerez. Là. Jamais sur ma façon d'expliquer les choses ou de jouer, je sais pas. Ces gars-là, ils bougeront pas pantoute. On va les tuer. Là, là, là. Putain, un javelin, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais attaquer avec la steel. Je suis pas inquiet pantoute ici. Bon, avec qui on fait la fête? Ah, c'est vrai.
Bon, ben, au prochain épisode, là.